c'est sous juge, c'est soit révoqué ou t'as privé là. Sénateur, là, tu te dis, tu parlais de 50 âmes qui étaient dans le palais. Alors, 50 âmes qui étaient dans le palais, bon, et puis, je ne vais pas rentrer dans une situation côté que je m'a fait enquête. Moi, je ne parle pas la société, je ne parle pas la société. Qu'est-ce que nous allons faire? Je parle pas la docteur, collègue, donc vous comprenez, vous continuez à opérer, vous continuez à être malade dans la clinique, et puis vous continuez, et puis, petit Dieu. Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes. Je m'a parlé avec avocat, je m'a parlé avec ingénieur, je m'a parlé avec tout le monde. Le, yo jouen zam parle nan moun ki moure la saline yo. C'est-à-dire ça, m'a besoin ko, y a après à juger moun yo, mais m'a parle à société, a, son société a dit ça, yo pa kapab pranl. C'est simplement ça. Et là m'a parle à faut nous parler avec tête nous tout. Tête nous secteur yo et les partis l'opposition surtout. Faut nous conjuguer bagay yo, faut nous chita. Il faut nous commencer à conjuguer les approches pour nous connaître exactement ce qui a passé. Pour qui ça, jusqu'à présent, nous pouvons arriver à un bout de solution. Donc, nous pensons que. Je vais répondre à une question. Excusez-moi, je vais répondre à une question. Pour avec 1% de sa fête le 17 octobre, le 18 novembre, le gouverneur Poterico a tombé. Ça, c'est parce que nous avons affaire à vraiment des mouns avec des fascistes. Ils ont clair, ils ont campé sous amis, ils ont appuyé sous amis, ils ont prêt à tuer, et ils ont tué. Et ils ont tué. Et dans mon texte de la semaine dernière, je vous dis que monsieur, le gouvernement de Moïse est devenu le plus. Assez et nous pas prendre un chemin que nous devons prendre. Donc, dans le sens, ça m'a dit, nous avons bien l'autre guérison, mais c'est la conjugaison des solutions, c'est la conjugaison des forces, c'est la conjugaison du dialogue entre nous pour nous connaître exactement qui côté nous aller, qui pour nous. Ça, c'est une phrase facile. Depuis le besoin, Diomba me dit bon, c'est parce que les forces de l'opposition pas conjuguées. Nous-mêmes, dans Combit, là, par exemple, moi, alternative socialiste, dans Combit, là, et Combit, là, goumé en pile, même si on pas là, moi, dans planification, maintenant, Combit, là, pas gagné jusqu'à présent, et avec tout respect pour André, secteur de mots, semaine ça, c'est combien de portes bataille tout partout, les devant toute la fait sitting, la fait toute bagaille ça. Mais sous population, l'autre jour, on sitting devant le ministère de la Justice pour tête la saline. C'est seulement militant que tu es là dans nous. Il ne faut pas oublier qu'on sitting devant radio. Oui, c'est seulement militant que tu es là dans nous. Pas qu'on citoyen qui t'est pointé, non. Nous, c'est comme si moi disais que les questions haïtiennes ne nous concernent que seulement le nouvel maquette ou bien le nouvel programme. Comme si nous pas concernés. Moi-même, ça me dit, et m'a continué, m'a fini là, m'a parlé avec l'ensemble de la communauté haïtienne. Pas besoin que Américains viennent prendre M. Moïse pour moi. Vraiment pas besoin de M. Américain viennent prendre. Il faut que le pays arrive à un point que M. Moïse connaît que il n'est pas capable d'arrêter, il n'est pas capable d'arrêter dans notre pays. Il n'est pas capable d'arrêter. C'est pour une question de me dire, je ne peux pas avoir preuve. Je ne peux pas trouver tiré personne dans la saline. Mais son administration est responsable de la mort d'une cinquantaine de citoyens à la saline. Ça est incontournable. Mais c'est Dr. Donc, Bito, donc, non, chiffres. Excusez-moi, et que Ben va prêter longtemps. Ma pontière à joie. Et que n'a pas les ou lutte qu'a fait. N'a pas les mouns qui gagnent zam. N'a pas les mouns qui pas gagnent zam. Exactement. N'a pas les mouns qui a tiré sous moun. N'a pas les ou mouns qui gagnent ou poste la palais. M'pas contre si c'est pour plaisir, les gars de jeunes garçons qui campent l'on kafou le bol en tête. Les tuer. Et puis après ça, les courir, c'est la Kaili, elle prend refuge. Ma gade ou dialectique qu'a fait. Chaque fois, yo dit que, ah, et que la justice fait pour le mener enquête. Maintenant, qu'a précis là, représentant ses pouvoirs, entre guillemets, faisait leur émission. Ou dit que justice fait pour le faire pouvoir, c'est où on t'a dit, ou expression ses pouvoirs que sénateur t'a dû mettre soit à la disposition c'est de la justice ou gain ou et précision qui baille sénat et que c'est là où espace c'est démocratique contre le président contre exécutif cap exprimer
sans pas forcer aucun monde, que le dit que l'État nécessaire que sénateur, l'État arrivé c'est devant juge d'instruction. Comme ça se fait, c'est dans un pays démocratique. Bon, là, vin qu'on est que c'est un petit problème, et vin qu'on l'autre problème tout. Parce que, moun qui peut ta dire là, elle vient de supposer faire tout. Comprenez? Donc là, vin qu'on est broglio. Donc, le nap dit que c'est pour justice, fait travail, li, c'est pas un mot et que c'est pour nap lancer. Ou bagay que ne pas quoi la donne, ou question de diversion que n'a fait, parce que ça c'est diversion, mais véritablement, pour ne pas justice la moyen, pour le faire travailler, pour ne courber tête nous, et que au mot du doigt, nous pas jamais manifester aucun intérêt pour nous faire. Et même leur bagay passé, l'un exécutif nous, c'est même avec la saline. Et que c'est gain des mouns, vieux pas compté, c'est un coup pas l'autre monde. Et que la saline, c'est un massacre qui fait. Et que c'est gain l'autre jour d'après, et que c'est l'embarras, et que gain moun qui t'a essayé fait, distinction à tuerie avec massacre. Que ce bail qui pour faut rire, vous voulez dire, et qu'il y a eu massacre à la saline. Côté mounio, l'activité quotidienne, moun descend sans aucune altercation, ouvert âme, ouvert manchette, c'est tout le monde, tué. Ou dix jeunes garçons qui campent long kafou, ou l'autre passé, passé de ses autorités, l'ira des âmes, l'y tirer de la tête. Est-ce que ce pays normal? Est-ce que n'a pas les deux luttes égales et que c'est pour nous dire que nous pas fait assez et que son lutte c'est démocratique qu'a fait? Non, pas une lutte et que c'est démocratique. Bon lutte qu'a fait entre monde qui gagne zam et monde qui pas gagne zam. Et chaque fois nous prend la rue et nous prend li, chaque fois nous prend la rue nous pas continuer à tourner la caille nous. Alors que monde qui gagne zam là, il connaît que la tourner la caille. Nous les font à jour avec chiffres. C'est notre temps tu m'en dis. La frontière à jour. Ah vas-y, vas-y. Et Doré était parlé tout à l'heure, elle dit que faut la justice et suivre cool. Parce que Batoni a parlé de ça. Je vais ajouter un point. Par exemple, dans la question de la saline, nous avons non seulement rapport organisation internationale, mais nous avons rapport de CPJA qui déjà allé dans le paquet. Et il y a deux personnages dans l'État, le directeur général de l'intérieur et délégué, qui ont indexé là-dedans. Moi, j'ai des commissaires gouvernement soulever l'article 90 du code pénal qui dit que antique peut-être depuis très longtemps qui dit que force c'est responsable l'État et aussi les hautes autorités faut une autorisation président. Mais moi penser que à partir de rapport ça que sur mon président gain connaissance parce que tu es nommé commissaire gouvernement il y a un premier geste que président t'es qu'a fait. C'est, t'as dit que moun sa yo, justement, retiré côté yo, ya, puisque c'est ou nommé yo, ou gen rapport de CPJ, ou gen rapport organisation internationale, pour que moun sa yo à disposition de la justice. Et c'est justement à partir de GSA, nous avons pensé que, eh bien, gon certaine volonté. Mais je dis à Batoni à ce deal. Président, le index c'est le rapport coup de compte, yo, doré comme ça. Président, t'es qu'à mandon contre rapport. T'es qu'à mandé ça. Cependant, le pas fait. Parce que le connaît contre rapport là, pièce yo pas différent. Ça dit pièce qui était dans le Sénat, c'est même pièce que Cour des comptes gagne. Mandon contre rapport, il pourra l'aboutir à même bagaille là. Donc, président va prendre et yo virer dossier, c'est comme on dégage en persécution politique, ou du moins yo pas le bon. Donc, bon volonté dans plus haut niveau de l'État pour que pas de suivi dans le dossier. Et c'est ça. Et c'est ça, justement, que nous condamnons parce que. La justice doit faire travailler, il est facile pour nous dire moi. Mais si nous prenons dossier la saline, comme il a dit, nous ne sommes pas allés. Si nous prenons dossier Cour des comptes, je dis, à partir du moment que le président, et je dis, on va gagner pour nous ajouter Cour des comptes là.
Le rapport a fini, alors il y a le plus loin que nous, jusqu'à 2018. Nous, comme la montée, 4 milliards, 200 millions. Mais le président Jovenel, en général, il a parlé de AgriTrans, de Cofener, ça c'est compagnie il a gagné en tant que président. Mais le président Jovenel, il a reçu 3 bateaux, le BMPAD a reçu 3 bateaux de gaz pétro-caribé pendant que le président, en novembre 2017, en décembre et en janvier 2018. Les tracés pour dire que l'on se voit bateau, ça environ 30 millions de dollars, avec les numéros, d'ailleurs, c'est le directeur général BM Badlak qui fait déclaration en audition. Et comme ça, d'origine, il y a un genre pour dépasser. Il y a une résolution pour prendre, conseil des ministres, il y a un projet pour porter pour prendre résolution. Monsieur, comme ça, vous dépensez justement entre le président et le directeur général du BM Bad. Sans résolution, sans rien, et m'a dit, sans information pour députés, pour sénateurs, pour même l'autre ministre. Alors que le conseil du BMPAD t'es dû présenter un projet pour des résolutions et dans les 30 millions de dollars, il t'es dû payer 40% à Venezuela. Rien pas payé. Et 30 millions, ils ont affecté à des projets directement par le directeur général du BMPAD. Deuxièmement, Alors, résolution pour Petro-Caribe depuis 2012, c'était pas nécessaire. Pourquoi? Parce que l'ensemble des projets financés dans le cadre de Petro-Caribe, ils ont directement fait partie du budget d'investissement. C'était pas nécessaire, puisque il y a déjà un budget d'investissement, soit les lignes du budget. Et puis, pour cette raison, que la majorité du budget d'investissement de l'État, pendant des années, c'était Petro-Caribe. C'était Petro-Caribe comme ça, vous votez. Mais pourquoi jusqu'en 2015 on prenait des résolutions? Non, mais c'était inutile, peut-être qu'on ne pas de nécessaire. C'était pas nécessaire, puisque le Parlement vote déjà. Et en fait, les ressources budgétaires affectées par chaque projet, soit les budgets d'investissement, après l'ensemble des projets listés dans le budget d'investissement, donc il y aurait des demandes dans la loi de finances. Donc ce n'est pas nécessaire d'avoir de résolution ou bien un conseil. C'était plus inutile, puisque avant 2012, oui, parce que le président Préval, y compris dans cette administration, pas de gains, soit une résolution. Maintenant, une fois que nous dans la loi de finances, ce n'est pas nécessaire. Très bien. Très bien. Juste une minute et deux. Budget a voté en 2017, bateau vient après budget, donc il y a tant que comme ça, nous beaucoup j'aime voter l'autre budget. Donc 30 millions, il est là, donc il y a tant que le prochain budget a venu pour mettre. Mais ce n'est pas ça, il est dépensé. Non, écoutez, le fait que le budget n'a pas voté, ou bien un budget reconduit, mais entre temps, si il y a des pertes, budget conduit dans toujours dit c'est on va être dans la constitution, c'est pas vrai. Par exemple, si tu gagne pour m'acheter téléphone ça pour en 2013 et puis 2014 m'a voté budget, m'a acheté téléphone non du tout. Le ministre des Finances c'est lui qui ça la loi balle possibilité pour lui faire des affectations des fonds. Après balle bon budget significatif, la voie ba où pour bonner. Donc maintenant après concilier les dépenses et les rentrées. Mais ça la constitution dit dans budget reconduit. Il dit que en cas que vous pas voté budget, il y a pour reconduire au 12e et pour les frais de fonctionnement. Il ne va pas parler d'investissement. Qu'est-ce qu'on fait au investissement? Il n'y a pas d'investissement alors. Non, pas gagné. Non, c'est pas moi qui écris. C'est pas non, mais même jour. Mais bon, c'est un point. Et donc, on parle de constitution de ça le dit. Donc si c'est constitution qui dit où on est autant bien. On va garder. Est-ce qu'on a investissement? Faut échanger. Mandé pour changer. Mais pour le moment, Bijan Spice, il a dit, on va conduire au 12e et pour les frères, c'est forcément. Ah non, Le gouvernement, on va chercher. C'est où que tu es gouvernement? Où est-ce que tu es gouvernement? Où va le budget? Où va bénéficier de propre? Du tout. Où va vite compter? Où va vite compter? Où est-ce que tu là? Où est-ce que tu es? Où vient le gouvernement? Où est-ce que majorité? Où va organiser le gouvernement?
tu ne peux pas profiter de ta propre erreur. Bien sûr. Pour que je vous dise à Oudim, oui, puisque. Non, pas ça. Mais vous voyez, au gouvernement, devant le gouvernement. Ok, majorité. Majorité. Je ne vais pas intéresser dans ce cas. Je vais permettre de faire un point. Je vais permettre de faire un point sur le point de Yuri, il ne saute pas l'eau de budget, il ne saute pas l'eau de loi. Non, changer le sujet. De gouvernance. Non, avant de changer. Donc, on dit que ça vous le fait. Ça vous le fait. Et maintenant, on dit que à part au fin, voyons un gouvernement. Mais ou pas qu'à l'on conjoncture aussi spéciale, l'on problématique que tout le monde ouait. Mais nous parlons de ce sujet. Parce que, docteur Bito, ce qui est important. Et même réponse là, oui. Ou t'es gagné en avant. Moi, je voulais. Ou pas qu'à faire mal, oui, tout voter les mêmes bagailles là, oui. Parce que l'œil dit, nous face à un pouvoir assassin. On peut voir fasciste qui prêt pour tuer et qui tuer pour qu'il y ait pouvoir. C'est pas une plaisanterie. Et bon, permettre que d'abord moi. Après, dis-le, d'où tu es pas vrai. D'où est pas qu'on ne s'en passe dans le pouvoir. Permettre. Oui, t'as dit qu'il a analysé par exemple. Merci, d'où permettre que je me présente. Vraiment. Fascisme, si vous comprenez, vous regardez dans les dessous. Vous n'êtes pas obligé de chemise noire, pas obligé de quoi. Non, pour fascisme. Bah, dis ça. Ok. La définition de fascisme, c'est le pouvoir de la grande bourgeoisie appuyée sur le lumpen dans le but d'accomplir certaines conquêtes capitalistes en étouffant le combat populaire. Donc, pas mettre comprendre nous que chaque fois on parle les chemises les c'est habillement c'est tenu c'est distinctif on parle pour mon dit sigray Mussolini pas rien du point de vue de la pratique que pour Hitler et pourtant les deux étaient fascistes on comprend Franco pas de fasciste Franco était on comprend Franco pas de fasciste on comprend monsieur Portugal pas de fasciste attention Salazar très bien Jamona oui on voulait présenter et solidarité nous by un jeune ingénieur Gaëtan Mentor, qui était dans le cours avant-hier, qui fait objet du rappel de menace. Parce que M. Tegon mandat. Historien on... Non. Jean Gaëtan Mentor. Voilà, tu as raison. Jean Gaëtan, c'est un jeune ingénieur de 33 ans, diplômé de la faculté des sciences, qui reçoit un mandat d'un groupe de 50 ingénieurs. Et sur la base de ce mandat, il porte plainte contre Jovenel Moïse dans le cadre du dossier Petro-Caribé pour usurpation du titre d'ingénieur. Parce que Nagui dit, nous fait 5 ans, il y a bataille, il y a étudié, il dormi faculté de droit, il dormi l'hôpital général, il dormi faculté des sciences, donc vite au connaît Jean étudié faculté des sciences dur. C'est quand il y a perdu en Haïti. Il fait sortir pour l'hôpital général, monter Delma à pied. Aller et Kafou aéroport à pied, al Kafou à pied, aller quoi de Bouka à pied pour devenir ingénieur. Et là, on fait 5 ans. À l'école sans manger. C'est pas des fois, souvent. Et là, on fait lire après 5 ans. Ils sont obligés de préparer un projet, ils soutenir devant le jury qui valide le projet. C'est là ça a un titre ingénieur. Ils n'ont pas accepté qu'on n'ait pas jamais étudié. C'est un problème. Ils n'ont pas jamais allé. C'est un problème. Et puis, monsieur a déclaré que c'est ingénieur. Lissien au contrat avec l'État haïtien via ministère CPTC comme ingénieur et sous base les ingénieurs yo bal un contrat parce qu'ils des ingénieurs avec le café route yo bal contrat mais yo dit yo pas accepter ça yo porter plainte pour usurpation de titre et corruption, arsène malfaiteur, escroquerie dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Depuis, M. Fin porte plainte là, Jean Gaëtan a recevoir toutes sortes de menaces, n'est pas venu identifier la Kaeli sur motocyclette. Je tenais à lui présenter ma solidarité. Maintenant, moi pensais que Jean Charles Odil, moi c'est monsieur pouvoir passer dans Tintin. Là, on dit nous, la justice doit faire travail. On va prendre la justice. Non, pas quoi là-dedans.
on n'est pas le docteur. Moi, si j'en peux, oui, parce que je ne parle pas de confusion. Oui, oui. Pour ne pas penser que c'est docteur en médecine. Oui. Elles sont prêtes. Même là, c'est l'hépatite. Non. Ça veut dire que malgré présenté, les gars après l'eau, de comme ça, on dit, ah, attention, ce n'est pas en médecine. On prend précaution. Mais les gars pas étudiant rien même. Il dit, c'est ingénieur. Et puis, il écrit le document officiel. C'est grave, Doré. Si tu me permets. Parce que. C'est grave, Doré. Non, mais Doré, tu vas dénoncer. Mais ça m'a compris. L'administration a un template qui baille, par exemple, on vient de pression que le template et puis la personne a signé sans se rendre compte. Et d'autres plus que. Il dit que le titre était là. Généralement. Nous toujours pensons tout pour nous avoir public, ministère public, pour l'ingénieur. C'est pas nous, c'est pas nous. Des travaux publics. Bon, son secrétaire qui tape, mais c'est son forme, son template qui gagne l'administration pour du bail là. Et puis il dit imprimé. Donc, le fait embarrassement on est là, mon cher bon secteur, c'est tout simplement ça. Bon, premier bagage, m'a dit. C'est un bled là. Oui, premier bagage, m'a dit, Doré, c'est pas comme ça que vous préparez le contrat dans l'État. Non. Contrat préparé, vous soumettez-le au service juridique de l'institution qui garde. Et. C'est sous base document. Comme si de l'autre monde, après nous avoir prenné. C'est sous base document, l'autre monde qui est parti dans le contrat, présenté par le ministère, il y a le titre. Monsieur, vous êtes, maintenant, en, vous êtes en dehors du sujet. Maintenant, bon, fini. C'est l'expression de l'aloufatisme. Tu vois, de quoi? De l'aloufatisme. L'aloufatisme. Oui. L'aloufa. Bon, par exemple, où on travaille? Ou même pas comprendre et puis déjà balade. Sous mon compagnie, compagnie a une spécificité en ingénierie. Compagnie a sur contrat. N'est-ce que vous êtes ingénieur à le signer? C'est lui-même qui a une capacité technique pour répondre de œuvre qui prend le fait. Mais c'est monsieur seul qui n'a compagnie, ça va comprendre. Mais le problème, justement, c'est qu'en demandant à un ingénieur d'aller signer, il y a une possibilité de séparation. Non, c'est pas une possibilité. Vous obligez de séparer. C'est un devoir. Pour payer. Alors que l'objectif, c'est une affaire de dermalogue, la totalité de l'affaire. C'est de tout prendre. Oui, de tout prendre. Donc, c'est un état d'esprit. Très bien. C'est un état d'esprit. Et pire. Ou moun kap signé, on do kap mette signature en bas, un document public qui engage l'État. Li habité par la conscience claire que rien pas rien, il gen droit faire ça, rien pas privé. C'est justement cette certitude qui permet que moun kapab mette signature en bas, un contrat avec l'État haïtien, avec un titre qui va gagner pour louer à compétence li. Ah ben. Donc c'est un mépris.
de la nation en tant que structure fonctionnelle et organisationnelle. Ah, mon cher son pile paya, il y a un monde qui prend le regarder comme ça. Vous bon, sous bêtisez bon prend petit temps prend net. C'est ça. C'est même concept ça qui dit ah on doit tuer un peu monde. Mais c'est pas problème. Nous devons prendre comme notre caisse l'état pour nous faire américain entrer pour venir tuer un peu haïtien que nous gagnons pour nous protéger. Rien pas rien. Sénateur a dit que nèg prend 5 millions goud pour être capable de faire anel rentrer Port-au-Prince et cette fois selon ce sénateur a dit monsieur Moïse était directement participé dans la conversation parce que justement c'est 3 millions en agence société sans jeune 3 millions. Nous sommes société sans punition contre l'autre deux. Bon, fini la conversation. Nan. Bon, évidemment, ça qui est positif qui soutient l'intervention d'Oréa, monsieur Padi là, Jovenel Moïse, ingénieur. Oui. Ça veut dire, là, c'est clair, même conseiller président reconnaît que je suis pas ingénieur. Ça, son bail est positif. Parce que moi-même, je n'ai pas l'air de penser que j'étais qu'un ingénieur. J'étais qu'à étudier en France. J'étais qu'à étudier aux États-Unis. Mais là, j'ai conviction. Même pas correspondant. Ils sont erreurs, mais pas ingénieur. Ouais. Le fond est caractérisé. Maintenant, en avance. Et on s'est passé mon interne, la justice pour responsabilité, vous connaissez qui ça vous parle de la justice là, vous connaissez comment on le juge. D'ailleurs, jusqu'à présent, on juge comme Jean-Louis Lamour est fini, malgré le président Anama, en association de magistrats, jusqu'à présent, Jovenel Moïse dit le pape renouveler contre Alexa. Il dit le pape renouveler. Comme ça. Oui, mais il dit Jean-Louis Lamour le pape renouveler contre elle, parce que si dossier Petro-Caribe, ou bien dossier La Saline, ou bien l'autre dossier, elle tombe dans la main d'Alexa à l'entravé. Ça veut dire l'ordre dit la justice, pour la responsabilité, il n'a pas temps passer, nous comptons ça bien. Maintenant, pour me corroborer son titre, il dit effectivement, autour du monde, les chiffres sont là. Le rapport du RNDDH sur le massacre de la Saline confirme 71 cas d'exécution. C'est bon plaisanterie. 71 cas d'exécution à la Saline. C'est bien si on était financier, j'ai son 15 de l'autre. Maintenant, c'est un premier chiffre. Mais pas là, vous venez de faire, mon cher. Vous êtes là, vous êtes pas loin de l'autre. 71 cas d'exécution à la Saline. Rapport RNDDH. Deuxième chiffre. Sorti 17 octobre 2018 pour arriver aujourd'hui. Dans quatre grandes mobilisations qui fait dans le pays à l'échelle nationale pour exiger démission Jovenel Moïse, procès Petro-Caribe, conférence nationale ou bien combat national, j'aurais les là, il y a plus passé 85 personnes qui mourent assassinés dans la bataille politique et secteur démocratique là. Pourquoi enterrer 30? Les chiffres sont là. Ça veut dire qui ça? En termes d'exécution, d'assassinat, pendant les 30 dernières années, c'est pratiquement le gouvernement le plus criminel. Qui documenté? Parce que yon dit, militaire ou tuant, puis le monde, je ne parle pas de qui documenté sous coup d'État. Yon dit avril douillet, yon dit l'autre douillet. Mais en termes d'assassinat, de cas d'exécution documenté, pour voir Jovenel Moïse là, il tuait plus de monde que tout l'autre. 71 cas d'assassinat à la Saline, raison politique, rapport NDDH, plus passé 85 personnes mourir assassinés dans la manifestation. Et blessés, nous comptons plus passé 500 blessés. L'hôpital Benameuse, là, à la Wabjouen, là, à Chivla. Et sans compter l'autre hôpital, moun qui prend balle. Dans l'autre ville, il y a tout, au Caï. Oui, toute la dame, toute la dame. Oui. Plus passé 700 cas d'arrestation. C'est pour vous dire que nous sommes face à un pouvoir criminel et qui a choisi systématiquement d'utiliser la violence, la répression pour le capable de rester sous pouvoir. C'est ça la vérité. C'est pas que nous pas fait tout ça pour nous défaire. Population mobilisée. Oui, près de 2 millions de monde le 17 octobre. Mais ils ont décidé qu'un peu pouvoir sous parce que mais une chose est sûre, c'est bien compté mal calculé parce que cette répression n'aura jamais la vertu de stopper la mobilisation populaire. Et ça a compliqué la situation davantage parce que j'ai la conviction qu'ils seront jugés pour ces crimes. Soit en Haïti, soit à l'étranger. Et Madon Bagay, le fait que Nations Unies, pas avocat, il y a trois gros juristes là,
par contre il y a plus sénateur ou pas juste ok ou, non, bon en tout cas il y a trois gros juristes là moi même depuis que dit le jour en radio le simple fait que Nations Unies ces îles de Tuerie et la Saline Genèque, c'est tribunal pénal international pour oui. Pas l'obliger, il n'y a pas accordé, oui. Oui. Donc, ma pour reparler à jeunes encore, ou même tout, M. Doré, bagay ça, il n'y a pas place, monde de bien. Si petit qui prend le ministre là, me dit ça dans la radio l'autre jour. Jeune petit petit 31 ans. C'est sur ce sujet ça, nous allons rentrer. Non, et même pas quoi, m'a dit ça, moi-même, dès que j'ai 41 ans, je t'ai offert mon poste ministre, moi, le grand frère, moi, je demande, M. Koumam ça, je dis, mon cher, son gouvernement, qui n'est pas gouvernement, Paul, ça, René Théodore, qui t'a proposé, moi, René Théodore proposé comme allié, c'est pas gouvernement, Paul. C'est la première fois avant d'entrer dans nos affaires cabinet, et même pour tes grands frères, je ne vais pas prendre un job ministre parce que je ne vais pas avoir assez d'expérience. Je dis, rentrer dans le cabinet ministre, plutôt, ou faire mon travail, ou faire expérience, mais pas quand rentrer comme ministre, non gouvernement, pas gouvernement, Paul. Si c'était René qui était premier ministre, pas d'avoir un problème. Mais gouvernement, c'est gouvernement. Gouvernement René? Non, gouvernement 31. Non, c'était en 94. Ah non, tu dis ça? Tu dis ça? Non, 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 non. Et au monde qui peut j'aime, c'est pour qu'ils sont gouvernement, non? Mais n'a pas parlé de monde qui a tué monde dans la saline. Si petit pauvre va l'entrer dans la baisse, ou m'a dit, petit garçon. Oh, mon Dieu, pas d'accord. Soit parce que n'a pas les mouns, ou faut l'autre fréquentation. C'est pas fréquentation, ça y est, ou pas qu'à rentrer dans mode baisse comme ça. Et jeune, l'autre jeune, y compris ça que premier ministre, tout, mais malheureusement, comme lui-même, ils ont très long passé de déclaration. Ndagadi autoritaire, vous comprenez? Donc, peut-être qu'il met fait chemin, c'est voir parler. Mais sincèrement, si petit moi, quand coup petit moi, m'a dit lui, frère, m'a fait réfléchir, fait carrière médicale lui, à faire résidence lui, à apprendre médecine, lui, t'as vu bon médecin, mais premier job ou pas qu'un ministre. M'a dit ça, et m'a dit ça, et encore moins. Nos gouvernements, quand on entendait que Anel a échangé de téléphone avec le président, il a parlé avec le sénateur pour le gouvernement, le député pour le gouvernement, a parlé avec Anel. M'dab dit si petit ça, si c'est petit, si vous êtes petit, même d'abord, vous ne pas entrer dans le bagage ça. D'accord. Alors, n'a pas rentré dans le sujet pour le ministre là. On a eu un sitting devant, il a fait sous-causer ça, a fait tweet. Yo. Nous avons plaisir pour nous saluer et Jean-Mona. Animateur fa émission ramassée, m'a salué sénateur Sorel Yassin qui s'est élu dans le département moins, plus précisément dans la commune d'Amarie. N'a pas salué sénateur Yuri, le bombardier de la Tibonite, Richard Doré, ainsi que M. André Michel Colo, M. Charles et l'autre camarade d'Amblier, Dr. Bito. Enol Bito. Enol Bito. Et je dis à face à Plama Kabza, je dis que vous avez la liberté de la parole en Abéia. Je dis à le président qui peut savoir, Jovenel Moïse, nommé un premier ministre qui c'est Fritz William Michel. Mais les avons regardé dans toute investigation qui mené à travers les réseaux sociaux. Nous avons des tweets fafeli que le ministre nommé ça, à savoir Fritz William Michel, faire à l'égard de Jean Monard, Liliane Pierre-Paul, la radio Télé Zénith. Je dis à, et ceci des tweets fafeli, des tweets mal écrits. Je dis à nous, dit, face à Plan Macabzao, hier nous étions devant Radio Kiskeya pour nous faire solidarité avec Liliane Pierre-Paul. Je dis à nous devant Radio Caraïbes, nous venons faire scoop là avec Jean Monard, qui c'est un journaliste qui campe bon côté peuple là, un journaliste qui baille la population à parler, et un journaliste qui embrasse toute cause population, l'embarras économique côté nous y a. Je dis à nous, dit, et après nous finissons perdu Jean-Léopold Dominique, et après nous finissons perdu Brignol Lindo, nous perdons un paquet de journalistes en de pays à tant que vous êtes pétion, nous ne pouvons pas perdre l'autre journaliste encore. Les noms premier ministre Abdi, lycée modèle lycée Hitler, l'a traité Gilet Jaune et de voyou, l'a traité de personnalités crédibles, des personnalités importantes de la population haïtienne avec des propos malsains. Nous disons que ça ne va pas arrêter comme ça. C'est dans ce sens ça. Nous venons faire solidarité avec Jean Monard. Lundi, si je viens devant Radio Zénith, on a fait solidarité avec l'administration de la Radio Télé Zénith. Et en passant, sur antenne Radio Télévisée Caraïbes, dans l'émission ramassée, nous avons invité tout militant qui gagne opportunité. Il était son sacrifice, pas un gros sacrifice pour café dans le moment, ça pour payer. Quel que soit ça, ou gagner, utiliser pour acheter un cap pour aller dans le festival Infraza. Je dis à nous pas qu'à
accepter un rejet de la société, un rébit de l'humanité, continuer à jouer moun en la population. Des personnalités crédibles, tant que Jean Monnat, tant que Liliane Pierre-Paul, tant que femme qui représente 55% de la population démographique. Là. Je dis à nous prendre une phrase pour nous mettre Matéli en déroute, pour nous mettre Tissimon en déroute. Je dis à nous fier Philippe Pétionville, dans l'hôtel Caribé, à Colicure, courir d'elle. Il dit son honte pour mon Pétionville, son honte pour mon Péguiville, son honte pour classe bourgeois. Parce que yo vinge kob, c'est à travers corruption, c'est à travers malversation. Yo vinge kob. Je dis à bon problème la classe bourgeoisie dans Pétionville, bon problème la club de Goudon. Je dis à moun yo pa bien ouais équipe Matéli, nous même qui en bas nous pas accepter Matéli vin faire sipesta sous nous l'en fête TNH le 40e anniversaire Radio Télévision Nationale d'Haïti. Nous dit télévision l'État pas qu'à continuer faire propagande pour médiocrité, télévision l'État pas qu'à continuer un espace, un canal de propagande de pour mafia, pour dilapidateur, pour dire les drogues dans le pays. C'est dans ce sens ça nous dit Jean Monnat, il n'est pas pour contre la population haïtienne avec elle, pour nous dire Liliane Pierre-Paul, il n'est pas pour contre la population haïtienne avec elle, et ainsi que Radio Télézénith, magistrat ou Nicolas. Dans ce sens ça nous dit, tout militant, scoop la par l'autre côté après-midi, c'est dans une phrase pour nous mettre Matéli en déroute. Et ceci, nous dit la justice, les abdiens justice, tout bon. Nous prenons sénateur oui, comme un sénateur chevronné qui a une expérience dans l'État. Il y a témoin, les abdiens justice tout bon, côté la justice pour faire lumière sur 4,2 milliards de dollars et qui disparaissent dans le pays. Et nous pas oublier tous les René Préval, aller liquider trésor public là avec 1,5 milliard de dollars qui pour construire Fonds National. Tout comme ça, disparaître dans le trésor public là. Dans ce sens, ça nous dit, faut que la justice fasse lumière sur l'argent, ça disparaît dans le pays. Côté. Je ne dis à tout le monde n'a gardé avec amertume dans l'hôpital général par des toiles gaz. Il y a plusieurs centres de santé, centres de maternité, moun yo se à terre à pas coucher. Et docteur Richard Doré, son docteur, c'est vrai. Et ou pas ka, non moment crucial comme ça. Non moment crucial comme ça, ou pas ka a supporter et mal. Tout le monde aux yeux aussi de tout le monde. Yo équipe PHTK a échoué. Yo équipe ça son équipe plasticienne de pénitentiaire nationale lié. C'est équipe qui réduit population en plus misère. Je dis à croissance économique nous à 0.combien%. Je dis à Préval de quitter croissance économique là à 5%. 7.1%, je dis à croissance économique nous descend. Nous avons taux d'inflation près de 19%, je dis à pays d'Haïti pas qu'à descendre plus bas. Faut geste sanitaire, parce qu'on a un paquet de conditions pour le docteur Richard Doré qui était dans la faculté de médecine avant. Je dis à. Il est dans médecin. Non, Richard n'a pas volé. C'est bien, sénateur, oui, pour rectification. Je dis à pour conditions pour vos camarades, madame. Famille, son honte pour supporter Jovenel Moïse, ouais. Son honte pour supporter Palais National qui est en connivence avec Bandi, qui terrorise la population. Je dis à pays à gangsterisé Tribobabo, ouais. Colonel Imler Ebi saute fait un point sur ça. Que 56 Galil qui perdent dans Palais National, ils ont joué une Grand Avenue, ils ont joué une Nassaline, ils ont joué une Jamaïque en échange de marijuana. Je dis à Sénégal qui fait trafic illicite dans le pays. Je dis à ce qu'on a continué à supporter l'équipe pour ça. Et sénateur Yuri, sénateur Soel Jacinthe, et Maître Gervais Charles, Maître André Michel, Colonel Ibrahim Ebi, nous avons rendez-vous face à l'histoire, docteur Enol Bito. Je dis à petit tout, pour avoir des questions pour poser nous, si nous ne pas stopper l'hémorragie dès aujourd'hui même, parce que petit nous, pour aller poser nos questions. Même dans le cimetière, on ne peut pas mettre ton flèche sous ton bonheur. Dans ce sens, ça nous dit, scoop la balle de l'autre côté, c'est dans une phrase, on a crié Chad Baïder, Joseph Michel Matéli, alias Simone. Merci. Non pas moi, c'est Aurel Dixon. Je profite de saluer tout le monde, Jérémy, tout le monde, Damaï, qui a écouté nous. Nous disons, Aurel Yacinthe, continuez, gardez qui sont rejoints pour le débat. Merci. Nous saluons Fernando Duclair qui est là, tout, qui est dans la même équipe, là, qui est devant, qui est dans le sitting, ça, qui est devant la radio. Alors, nous tout rentrons dans le sujet qui concerne. Et justement, Premier ministre William Michel, qui nommait, qui doit attendre ratification devant la Chambre députée, mais avant, bon séance, dans la Chambre députée, nous, ouais, député opposition, sénateur La Tortue, qui mandait président Bodo, dans correspondance qu'il a adressée à elle, pour une série de monde qu'elle invitait.
tout séance mercredi ça tant que maître René Sylvestre président cour supérieur des comptes et président cour supérieur pouvoir judiciaire oui Jean Rudi Ali ministre justice parce que tout le monde ça a gain des bagages qui pral justifier mise en accusation hein. Et directeur police là tout parce que l'être la correspondance là vient jeune notre temps maître Oknam Clamé d'Améris ancien commissaire gouvernement ancien premier ministre Jacques Guy Lafontaine sénateur Yuri La Tortue en tant que et président commission qui t'a travaillé sous fond et puis monsieur Léopold Bélanger tout le monde ça yo souhaité révérend Père Didi Horace, curé de la paroisse de ce petit marché, Gantier petit marché. Tout le monde sa yo, député opposition, souhaitait venir dans séance ça pour appuyer et mise en accusation. Donc, pour qu'ils sont riants, comme sous raison, théâtre, vrai, Jean-Colonel l'a dit. Je pense que, comme dans les visées interventionnelles, c'est que. Moi, je pense que il y a un peu de monde qui va comprendre Jovenel Moïse. Malheureusement, dans l'histoire de ce pays, c'est toujours comme ça. Après plus que les deux ans, ils ont des idées claires, précises pour la nation. Et souvent, ils ont vilipendé sur la place publique. Et par omission, ou bien pas chercher qu'on est, ou bien pas appeler qu'on est, parce qu'il y a trois catégories d'hommes face à l'histoire. Il y a un groupe de monde qui refusait de comprendre la dynamique du changement. Et pour ça, ils ont cherché des subterfuges. Et on cherche tout ça qui est estimé qui a un élément d'entrave à la marche des choses. Donc, l'autre tout qui décide, c'est l'obstacle, même si on symbolise l'obstacle. Donc, dans ce sens, on prend les moyens forts pour utiliser. Et puis, il y a un groupe qui laisse faire. Donc, moi, je crois que Jovenel, probablement, les victimes de. On sait des gens qui font des projections sur lui qui le baillent. Il y a plus bon, comme moi, il y a des gens sous table là qui. Le sens de l'histoire. A chercher qu'on est ou non. Mais est-ce que même ou qu'on Jovenel? Non, mais. Ah oui. Est-ce que même ou même ou qu'on est? Mais qu'il y a des gens là qui ne sont pas lui-même. Moi-même, oui, ça me dit assez souvent. Non, moi-même, je connais, ma barre, oui, ça. Parce que, d'ailleurs, c'est moi qui baille. C'est vous-même qui avez dit, bon, écoute, ou dit oui, ou dit qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, bon, nous-mêmes nous connaissons. Moi-même personnellement, je connais. Oui. Ma bonne ou fait clair. Ma bonne ou fait tout. Ma bonne ou fait clair. Non, non, deux fois. Sous question énergie. Oui. Les accords. Oui. Président Jovenel, nous sommes là, Kaeli. Très bien. Nous avons bien 19 sénateurs. La plaignée sous question, monsieur, pas possible pour Jodia et trois compagnies pour un pays. En otage et ils ont refusé par courant pour renouveler et à quoi ça Yuri et parler à président et nous tous t'es là dit président bon a fond bagaille vous pas besoin plein nous bral et prend une résolution dans le Sénat pour nous demander pour nous demander puis remettre contre ça réviser à fond vous connaissez ça président Jovenel le dit non oui on t'a un mot pour mettre continuer vous dit monsieur qui ça président Jovenel le dit là président dit nous monsieur c'est plus gros bagaille que nous t'a fait plus gros service n'a prendre la république service n'a prendre la république si n'aller nous prendre résolution parce que pour contre lui il pas capable monsieur c'est grand c'est des taureaux que oui le lendemain tout sénateur réuni, sénateur Sildo qui était directeur IDH, nous prépare une résolution. Nous demandons au président s'il a l'aise à la résolution. Il est d'accord. Et à l'unanimité, nous votons une résolution pour yo regarder le contrat. Parce que, justement, le contrat, ça a aussi 190 millions de dollars par année. Et que le président a besoin de 150 millions de dollars pour que lui fasse le réseau. Nous avons dit, président, c'est dans la première année, j'étais président du Sénat. Si que dans deux ans, nous avons arrivé à faire économie 150 millions. Parce que depuis avant, il y a ministre des Finances sous le président privé avec directeur général qui font une étude qui a montré qu'il a réduit le contrat à 125 millions de dollars. Nous votons la résolution. Nous rencontrons les gens qui gagnent le contrat. Nous disons, nous ne pouvons pas penser que nous-mêmes, nous là comme Sénat, nous avons créé l'entreprise. Non. Nous pensons que le contrat ça y a révisé. Il y a des données techniques qui montrent que y a baissé prix. Compagnie a dit y a parlé. Simplement, tu as une référence qui était faite déjà pour baisser. Il faut nous parler plus bas. J'ai rencontré le président. Moi, je dis président, maintenant voici la résolution.
et voici ce qu'a dit maintenant ils ont ce qu'ont dit les représentants des compagnies. Président, c'est parce que levé main l'air, il dit bon, monsieur. Non, il dit bon. Non, il est content, il est content. Il est content, monsieur. Ouais. Jodi a délivré toute bagaille dans même. Ça t'a fait environ, sous prend 4, 90 et moins 25. Ça t'a fait peut-être 65 millions d'économies par année. Président, pas jamais même les monsieur ça. Le président vient rencontrer avec eux, c'était après question manifestation, vous le dites, monsieur, n'a fait manifestation dans la rue, il faut n'a supporter manifestation, il faut que nous arrivions pour ne pas supporter manifestation. Parce que moi, je suivre qui leur rencontre ça a fait. Président n'a pas fait rencontre là. Et président prend sous lit, au lieu de faire 65 millions, qui avait 130 millions, pour le gagner, là, il prêtait 150 millions dans Taïwan. Et président, chaque jour, a répété que nous ne voulons pas ratifier 150 millions, alors que dans les caisses de l'État, l'État a économisé 130 millions. Et là, l'économie de 130 millions, et bien, on court dans le contrat de non, parce que nous avons coupé contre eux, mais nous avons économisé 130 millions. Ça, c'est plus difficile toujours. L'information que peut-être vous ne connaissez pas. Président, par les négociations, c'est parce que le contrat ça a fini en 2020, 2021, 2022. Et le président veut monter sa propre compagnie pour que le cas signe un contrat avec l'État dans les mêmes termes. Écoutez, sénateur, en motion. Papa, il va vous raconter, non? Non, tout à l'heure, tout à l'heure. Papa, il va vous raconter. Ah, là, c'est 10 décembre. La résolution est là. Parce que l'autre est un sénateur, pas tout là, non? Le fondamental. Oui, mais c'est ça, vous connaissez le basso, vous savez. Le fondamental. Le fondamental, c'est quoi? Pour le dossier énergie. C'est que l'État est à la fois consommateur et acheteur. Donc, on veut. Alors, le président de la République pensait que dans un pays comme Haïti, l'État, on est là pour 250 millions de dollars, sénateur. Donc, il y a un monde qui dit 200 millions de dollars. Bon, on prend 150 millions. On dit l'État a apprécié 150 millions de dollars chaque année, qui est à peu près l'argent la douane a apprécié pour le pays. Pour la prendre pour acheter le courant. Bon, je pense que c'était plus important que vous fait réseau. Parce que soit dit alors, parce que c'est dans la logique, l'État toujours prend les caissiers, l'État prend combien vous allez. Or, la logique fondamentale de la modernisation, c'est que dans le réseau, le monde qui veut bailler l'électricité, on met sur le réseau. On va le vendre, l'État lui-même, comme pendant l'État, pas acheter le courant pour le monde. L'État a pas fait l'école, l'a fait café centre de santé, l'a fait route, des infrastructures, des supports à la production économique, des ressources de l'économie. Donc maintenant, bon. Ceci étant dit, non. Bon, monsieur, si vous dites là, l'État n'a pas sorti. Non, bon, monsieur, monsieur, bon, monsieur. Non, écoutez, mon cap vend l'électricité, ou cap produit l'électricité, ou vend son service commercial lié, pour qu'il soit l'État obligé à acheter dans mes lois. Bamdou, parce que, par roi, c'est EDH qui gagne monopole de produits électriques. Non, mais il faut que le docteur ou gagne au réseau. EDH a toujours 20%. Non, ça, c'est le docteur. EDH a toujours gagné tout ça. Doré, bonne pose ces problèmes-là. Très mauvaise. Doré, bamdou. Doré, le problème n'est pas là. Non, le problème n'est pas là. Il y a des idées extraordinaires avec une vision claire. Non, regardez. Sénateur Gasset, le problème n'est pas là. C'est le réseau que l'État a besoin de construire, justement. C'est le réseau qu'il a besoin de construire. Il dit qu'il a besoin de 150 millions. Donc, et nous dit même Koto qui a joué 150 millions. Ouais. C'est pas, nous ne mettre en doute en question politique énergétique. Non. Il a besoin de 150 millions pour construire le réseau national. Là. Nous dit qu'au lieu de le prêter comme ça, pendant les deux premières années, mais qui économise qu'à faire sous contrat existant. Parce que c'est président Relé, nous pour le dire, nous, pays ça a li pris la donne, ni pas qu'à sortir de là, mais ça vle dans l'énergie, li vle construire un réseau, ni pas gen kob. Et nous dit, président, n'a pas soutenu, n'a pas engagé, pour qu'à jouer un kob là, pour faire politique quoi. Nous va mettre en doute question de réseau président de l'Église. D'ailleurs, nous te tendel et nous te d'accord avec elle. Ah, j'ai voté à quoi? Maintenant, voter à quoi, Nagisa? Alors, pour me voter à quoi? Président qui a fait gaspillage, nous doué Venezuela 1,9 milliard, nous doué dans New York, dans Machia 100 millions, nous doué Taïwan déjà 100 millions, qui fait 2,1 milliards de dollars, côté que nous avons retiré 22 milliards de gouttes, hein, chaque année, pour nous payer, et puis qu'on y a pour mal pour l'autre 150 millions, alors que nous avons joué 150 millions dans le COB que nous avons dépensé chaque année. Donc, je dis,
va arriver avec dévaluation de la goudre, avec dette ça va augmenter, moi le mettre 25 milliards de goudre, m'a retiré nos budget qui presque ces budgets de fonctionnement pour mettre 25 milliards de goudre, mais ça c'est irresponsable. Non mais alors que non, mais, cash, non, mais, non, 500 millions. Non mais on va résoudre le problème entre-temps, il y a tout continue à toucher. Qui est responsable? C'est zéro, il m'a transféré 150 millions de dollars. C'est zéro, on n'y a pas le bon courant. Maintenant, j'ai des fournisseurs qui ont baillé courant tout partout. Avec dette. Avec dette. Parce que mon réseau. Non, mais même mon réseau. Mon réseau moderne. Et la 150 millions. C'est WAP Rêvé. Ça fait mal en pile. On a parlé de manière superficielle. Tout à fait. De gestion en l'État. Tout à fait. N'a cherché quoi pour n'aller faire même pas ça. N'a construit réseau. Moun bral mette courant. Et puis nous pas qu'à répondre question qui Jean Cobla a fait pour l'entrée. N'a parlé tout en Haïti sous épiphénomène. Sous manifestation problème. Nous pas aller dans fond problème. Ça n'a vu c'est une déstructuration pays à globalement. Côté vous mettez 10 12 villes côté bon poche de vie apparente et puis tout une plongée ville là pour prendre petit courant gain, petit soin santé et cetera. Et puis nous quitter intérieur pays à totalement vide, nous pas organisé le projet de Saline. Nous pas intégrer Mounio. Nous pas intégrer Mounio. Comment on peut expliquer que un monde capable de faire un accident de Camperin? Oui, ça m'a pas dit. Il est obligé de traîner avec lui, il est juste arrivé pour le presse pour jouer les premiers soins ou les soins adéquats. Dit-il. Donc, question essentielle, nous pas régler. Là, on parle avec moun qui vient commande dans pays. Well, pour une bonne raison, je vais juste lire en vous. Directeur communication TDH. Il dit le projet, le courant 24 sur 24 promis par le président était un slogan, une parole pour plaire à la population. Aucune disposition technique n'a été prise en ce sens. A dénoncé le directeur de communication de l'EDH. José Davilmar, Jovenel Moïse est une déception. Donc, on va passer l'émission 6h, 9h ce soir sur Télé 22. Voilà.
n'a pas les deux épiphénomènes. C'est le groupe. N'a pas les problèmes de développement pays. Pour un pays développé, faut gagner investissement. Oui. Et pour gagner investissement, il y a deux conditions, c'est la sécurité et la justice. Nous prenons sécurité, nous banaliser, nous gangsteriser l'État. C'est propre mon qui pour protéger la population, c'est le cap fait communisme pour tuer, pour cap défendre bon par contre qui pouvoir, un pouvoir politique. Donc nous pas aller vers l'essentiel. Et puis qu'on y en a parlé de. Ça fait me triste pour des mineurs de personnalité comme ça pour être d'une état, on a parlé de Anel, on a parlé de Gracia Delva. Nous pas bon réflexion aujourd'hui à comment vous intégrer force. Nous voulons qui danger qui menace à Haïti là, vous n'y a. Dans 10 ans, force que diaspora représente qui permet le pays à sous perfusion. Donc pays à sous perfusion. Oui, oui, oui. C'est diaspora maintenant 10-12 ans. 4 milliards. Lien émotionnel, ça, absolument n'existe. Génération absolument. Il y a quelqu'un plus petit, qui plus vraiment absolument. Américain, vraiment français, vraiment canadien, qui n'a pas lien et lien émotionnel, ça, avec un Guinée intérieur pays. C'est un pouce-pouce pour nous faire rapidement, pour nous intégrer puissance économique. Puissance en matière de savoir avec toute émotion d'appartenance réunie à l'étranger, mais qui jeune a mobilisé cette force de la jeunesse au niveau des grandes villes qui rentrent et qui viennent prendre savoir, qui n'ont aucun côté pour appliquer. Cela veut dire que M. le sénateur qui l'a eu, c'est nous-mêmes en attendant qui l'a pour prendre décision. Le n'a pas rentré dans le budget, qui quantité n'a levé pour chaque commune pour commencer des projets capables d'attirer. Puis le compétence que nous avons dans le capital, nous pas faire rien pour tourner à travail au bénéfice de leur commune. N'est-ce qui, jusqu'en France, qui a monté association des citoyens de Cavaillon, d'Aquin, etc. Qui ça a fait pour l'aide qui vient avec potentiel économique, ça, potentiel savoir, ça, que effectivement nous mettons le pays en construction pour. Oui, mais il me faut que c'est l'exécutif là qui présente des budgets. Donc, depuis quelques temps, et que c'est aux questions de budget zéro compte. Non, mais parce qu'on n'a pas de gouvernement. Non, mais parce qu'on n'a pas de gouvernement et parce qu'on n'a pas de gouvernement non plus. Donc, on parle de politique là, parce que c'est politique là qui va voir tout ça. Voilà. Mais maintenant, il faut parler de qualité politique là. Parce que si c'est politique, nous faisons un bagage que nous les politiques. Mais les gens qui font pour faire politique, ils ont caché un bagage parce qu'ils ont peur. Maintenant, qui c'est pas peur. Je ne sais pas. Et le maître Charles a parlé de précarité. Je ne sais pas que c'est précarité non plus. Parce que Moun, Moun Sayo qui pourtant vraiment prend certaines responsabilités. Il n'y a pas de précarité vraiment. Mais moi, je crois que Jean t'a peut-être dit dans Texas, dans fin Texas, le. Et on te dit, si on fait un cambriolage dans une boutique de mode Pétionville, dans le monde ça, que m'a parlé de yo, qui t'a dû intéresser, il fait plus, il y a plus que 30, que 40, 50 personnes qui mourent la saline. Parce vraiment. Que yo croit que va y avoir lien avec le monde ça. Parce que, yo pas gagné lien avec le monde ça. Non, mais, en politique, la peur est beaucoup plus mobilisable que la déception. C'est-à-dire que, quelle que soit la déception que vous avez gagné dans sa monde, dans tes faits avant, mais comme les peur dans la tête, parce qu'on culture de la peur, ils disent consacré. Ah, si bon monde sur, si bon monde la saline sur monte sous, ah, les monde sur vient sous, après tu connais. Donc, tout, ou bien, il y a des gens qui disent, les papes descendent plus bas que ou de la Réunion, c'est pas parce que seulement, c'est pas préjugé, non? Mais pour les gens danger là, ils disent, le monde ça yo, c'est peut-être des gens sous approcher ou l'in un problème. Et ça, nous devons. Non, mais l'opinion, c'est pas intéressé à payer. Le pouvoir instrumentaliser l'idée ça. Moi, l'idée ça. Par exemple, où tu parles de l'hôpital, au monde qui mourit, pardon, qui font accident campérin, il faut venir porter au prince. Ministère de la Santé lui-même, lorsque je me présente un article, pas un article, non, en conférence pour la faculté de médecine, sur qui ça a été fait dans le domaine de santé avec COB. Et au Caribe. Je me dis, on quitte tout, pas moi et tout comme là, prend un petit petit seulement, tout petit là-dedans. Et cela, sous base à ministère, lui-même le dit. On dispensait pas en commune, on hôpital de. On hôpital de.
d'arrondissement dans la commune, etc. L'on calcule tout comme ça, il n'est pas arrivé un milliard de dollars. Et si qu'on est, c'est vrai. On n'est pas capable de dispenser par commune encore, docteur. Non, pas par commune, on dit par section rurale. Ah, ok. Par section qui veut pas. Non, non. 570. Non, non, mais là, c'est texte. On dispense par section communale. 570, on lapsus, oui. Et au centre de santé. Mais pas une erreur. Au centre de santé sans lit. Par commune, c'est de qui bon 140 plus 570 plus au hôpital de référence, ça met autour un peu moins que 1 milliard de dollars. Et Kounier, si c'est on vraiment Kounier, sous le gouvernement, parce que nous avons parlé de gouvernement ou bien de budget, mais donc question de choix, il y a une question d'option politique, tout. Sous une option pour faire des conquêtes sociales, vraiment, c'est pas le tout de construire l'hôpital, non, parce que tout le monde a construit l'hôpital, mais comment seront financés les soins pour les usagers? Oui, c'est exactement le même problème avec l'affaire Nicole. Nous pouvons faire le. Vas-y, cher. Vas-y. Où point vous mentionner ces politiques, ces migratoires et que ces gouvernements. Gardez Jean Saint-Domingue qui est la main libre. Depuis Haïtiens et l'autre bord, voyez au Douna. Et que ce n'est pas un problème. Faire passer toute misère, ce n'est pas un problème. Et ça, ou retourner à Vincent, côté te gain ou division en deux populations et qu'il a payé. Que Mounsayo. C'est pas de même aven. Et que c'est même bagaille là. Et que l'Europe dit que nous arrivons là, nous pas descendre depuis bas, c'est pas assez sourd. Parce que c'est ou peur et que y'a créé là, et c'est là nous. Ou cambriolage, Pétionville, on dirait le plus important, parce que massacre qui fait. Et que c'est la saline là, la opinion c'est public là. Donc, toute question ça yo, qui d'actualité c'est pour nous et ça fait partie de lutte cap mener. Bon point de le faire. Sénateur La Tortue, sénateur Sourel Jacinthe saute parler de question gros contrat dans l'État. C'est question de fond, hein? Incapacité pour l'État, incapacité pour chef d'État, président de la République pour prendre une série de gros décisions économiques. Et pour moi, ça, son débat de fond. Le développement de ce pays, du grand coup. Bon, question qui pourrait jamais aborder dans le débat politique haïtien, ou bien ne pas aborder assez, c'est l'assainissement de l'espace politique national. L'assainissement de l'espace politique national, du grand coup immédiat, qui c'est la moralisation de la vie publique. Et ça, c'est une question de fond. Et c'est ça qui fait combat qu'a mené là aujourd'hui. Pour ces Petro-Caribes fêtes, pour nous craser les qui prennent l'État, faire tout un espace de gangsterisation pour mener une activité criminelle, ce sont des combats de fond. Et il faut que la bataille ça nous mène dans une situation. Côté nous arriver à un système, docteur Buteau. Faut nous arriver à un système, docteur Buteau, d'accession au pouvoir qui assaini. Où est un pays qui pratiquement l'otage d'une mafia économique et financière? Et c'est cette mafia économique et financière qui fait et défait dans l'espace politique haïtien. C'est eux qui décident qui est qui a mis le président en fonction de quantité comme il y a Bali. Qui est qui a fait député en fonction de quantité comme il y a Bali. Et le plus souvent, qui est qui a fait sénateur en fonction de quantité comme il y a Bali. Avec autour d'ascenseur, tout. Mais bien sûr, avec des exceptions près. Tant qu'on n'est pas arrivé à un système politique ou bien à un système électoral, côté où maîtriser question ça, la question de la moralisation de la vie politique nationale, côté où maîtriser question, ou empêcher que cette mafia qui prend ce pays en otage depuis toujours, ou empêcher investi comme l'IA pour le faire des faits dans l'espace politique là, pour le dire qui est-ce qu'a président, qui est-ce qu'a ceci, qui est-ce qu'a cela, problème développement économique pays a, dans l'intérêt majoritaire, le pape Jean Bosé. Et
tout le monde a constaté lors des élections de 2016. T'es gon candidat au Jovenel Moïse, t'es gagné Jude Célestin, t'es gagné Moïse Jean-Charles, t'es gagné Maris Narcisse 2016. Mais tout le monde a constaté disproportion qui t'a existé en termes de moyens financiers dans l'élection. Ça, tout le monde a constaté qui capacité Jovenel Moïse de gagner après Cyclone Mathieu pour intervenir avec bateau Durie, avec bateau Toll. Et aucun de l'autre candidat n'a pas de capacité. Et ce n'était pas Jovenel. C'était pas Jovenel. C'est établissement. C'est ça. Je pense que c'est Aléam qui dit que c'est la conjugaison des forces. Faut nous parler. On va arriver là-dedans. Allez-y. Mais maintenant, ça veut dire qui ça? Dès le départ, la mafia économique et financière de ce pays avait fait son choix. Le choix de cette mafia était porté sur Jovenel Moïse. Parce qu'on balait tout moyen qu'il avait besoin pour le chef d'État. Mais comment tu as espéré des élections claires. Bien sûr. Mais comment tu es capable d'espérer, Jodia, pour que même Jovenel Moïse, supporté par cette mafia économique et financière pour devenir chef d'État, comment tu as fait espérer. Faut t'attirer mon seul égaré net pour t'espérer. C'est même nèg ça qui prend des décisions économiques et financières dans l'intérêt des masses populaires. Ça veut dire, pour moi, la question de fond, c'est ça. Et c'est ça que fait, tant qu'on peut arriver à assainir l'espace politique là, moraliser la vie publique là, pour maîtriser, neutraliser la capacité mafia économique et financière à gagner, pour faire des changements dans l'espace politique là, pour pas dans la bataille, parce qu'il y a toujours pris en otage l'espace politique. On nègre pendant la campagne, c'est nègre qui a acheté des œufs en République dominicaine pour venir vendre en Haïti qui supporte il. Pour le vice président, n'est que ça n'a pas d'intérêt dans la production nationale, il ne peut pas le produire en Haïti. Parce que, justement, il a été financé par une mafia qui a fait économie de la rente, qui a acheté, qui a revendu en Haïti. C'est n'est qu'à acheter du riz à l'étranger qui mettait le chef d'État, n'est que ça n'a pas capable de venir chef d'État aujourd'hui hein, pour la investir dans la production nationale. Bref, ce sont des combats de fond. Ce sont des débats de fond pour nous faire. Et question ça, c'est eux-mêmes pour nous soulever. Là, nous finissons avec ce Jovenel Moïse. C'est question de fond ça, pour nous soulever, pour nous débattre dans quatre gros conférences nationales et souveraines, pour nous casser le système définitivement. Et pour moi, et ça n'est pas important. Et ça n'est pas important. Mon ami, le Patrick Maurice, il dit, ça n'est pas important, c'est pas tout le monde travaille dans le pays. Question économique. Et. Moi-même, parce que vous allez parler de gouvernement. Parce que même lorsque tu allais à Odim, ce n'est pas des dispensaires au niveau des communes, c'est plus au niveau des. Non, c'est toi, l'âme de section communale. C'est important. 570. C'est important. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas problème ça qui existe. Alors, plus ou moins, je parlais pour grandance. Est-ce que mon problème d'hôpitaux. Non, ce n'est pas problème d'hôpitaux. Mon problème de fonctionnement d'hôpital. Mais c'est ça me dit après. Là, faut nous prendre précaution. Comment va-t-on financer les hôpitaux, assurance, les dispensaires non. Ou les dispensaires à lit ou les hôpitaux de référence qui ont tout existé. Non, c'est ça me dit. Comment va-t-on financer les soins de santé bon. C'est ça me dit. On dit en même temps de M. Doré dit qu'ils ont assurance. Oui, sécurité sociale. Ah, okay. Donc, ce qui est différent. Ah, ok. Donc, Mardi, non, en Angleterre, le Beveridge, tu mettais système de sécurité sociale en Angleterre. Curieusement, en toute humilité, sincèrement, Mabdou, que permettre-moi quand même Mabdou ça, et la sécurité sociale triomphée, ou bien la fête, c'est justement le situation économique là, moins bien. Que ce soit c'est Costa Rica, que ce soit c'est en France, que ce soit c'est au Mexique en 1959, que ce soit justement, c'est pas au contraire, c'est pas le ça, c'est ça que fait Mdou que Petro-Caribéa nous perdions l'autre opportunité pour nous profiter parce que nous avons une population extrêmement jeune. Comment nous financer les justement, par exemple, Mbadjou, non, un bon exemple, dans le cas particulier d'Haïti, nous gagnons des environs
70%, peut-être 80%, peut-être davantage. Il y a un économiste qui dit, mon cher, on met 90% des actifs occupés en Haïti, c'est dans les formes élevées. Moun sa yo, dans quel hôpital y aller? C'est dans les hôpitaux publics y aller. Ou ta gen doit justement commencer à intégrer à partir de Petro-Caribéa ou financer un peu pour Mounsa et puis de même tout les contribuer pour sécurité sociale PAL. Nous avons l'autre avantage extraordinaire. Nous avons seulement 5,5% de population qui a plus que 65 ans. Cela veut dire que nous avons un bon monde qui a contribué avec moins de monde qui a consommé. C'est ce qui fait que vous venez rentrer et comme ça, comme sécurité sociale là, vous êtes capable de faire un pile l'autre bagarre avec lui. Par exemple, bon, je ne vais pas parler trop. Alors, c'est André Michel, je dis un bagarre, je vais confirmer parce que son exemple, Gagnon et député du Prato, dans la question de Zéa. Et puis, Malé, Saint-Domingue, parce que nous avons une usine pour nous faire manger ici. Et l'usine n'a pas de problème. Mal joué nos nègres pour me dire que nous avons un contrat pour un mois pour venir travailler et après le fini, nous avons campé parce que Haïtien a fait. Même à discuter avec la Santiago, député Abala, non? Et puis nous finissons entrer, nous venons discuter avec la d'accord pour le venir. Là, qu'on y a arrivé à Haïti, député a dit, on a dit qu'il sort dans le journal Santiago. Ça seulement mal discuté. Nous avons mis Yuri la torture, un danger pour la République dominicaine. Qui sorti dans le journal Santiago parce que moi dit n'a fait manger à pour nous pas acheter manger dans mais encore c'est clair et député à relem bon net ça grand temps gain mafia l'autre bois c'est lui qui a vienne faire bail la pour oui et puis le grand temps dénoncer bon l'autre nèg là bien gamé des danger la préserver donc ça veut dire que ça dit intérêt pays n'a pas joué l'autre bois intérêt pays moi n'a pas joué sur question n'a pas joué parce que n'a pas les changement de système mais avec yes. Et comment? Avec qui est-ce et comment? Pouvoir pour nous prendre. Il pas c'est pas quatre chemins. Faut prendre un prix de caution. Mais super. Faut prendre un prix de caution. Il y a mourir là dedans. Parce que Jean Salvador de mourir là dedans. Nous faisons un projet un peu différent. Et c'est là un petit peu différent parce que écoutez, c'est vrai, nous on va lancer à la chercher monde parce que monde en Haïti, c'est un d'un pays ami. Mais là tout et solution moi côté mais vrai problème moi côté que ce soit sur le plan politique et surtout sur le plan politique parce que tu as là nous parler de accord pour remettre sous table avec établissement là ouais qui résistance ça des joine et ça pas de résistance seulement au niveau de Jovenel là parce que souvent je côté sortir le président Jovenel là mais il sont au côté du côté parce que dans quel que soit pays il y a l'établissement là c'est lui qui a gouverné mais c'est donc là on fait choix de solution là faut qu'on comment on fait et à qui est-ce qu'on fait si tu permets même moi crois que en Haïti nous avons de vrais faux problèmes et premièrement nous menons en politique nous gagnons une attitude politique qui visait à effrayer moun qui récompte. Nous-mêmes développer un discours qui cultivait la pauvreté comme étant réalité ancrée. Nous avons un discours qui fait haïtien intégrer la pauvreté comme une réalité incontournable. Or, qui bagaille simple qui produit la richesse, c'est le travail. Moun ki gen kòp en Haïti yo, c'est moun kap viv kap fè kòp de la crasse. Parce que yo habité par la peur, yo pas senti yo libre pour yo investir. Là yo gen kòb la, là yo fin gen kòb la, yo obligé courir al serrer le Miami, al serrer en France, al serrer dans tout pays étranger. Pour qui ça? Parce que nous fait quoi que richesse son défaut. Maintenant dès lors qu'on neutralise l'esprit d'investissement, c'est normal qu'on rite avec masse moun yo de la classe de la misère. Et comme y a vive li dans leur réalité au quotidien, ils n'ont pas comme quoi que ils pas pauvres également. Nous sommes vivre une expérience, nous sommes faire un petit déplacement dans le pays à l'entrée. Nous sortis de Port-au-Prince, nous passons Kayouri, nous rentrons en Souche, nous virons rentrer Tiparadis et B2N, nous montons Bombardier de police, nous descendons Mol Saint-Nicolas, nous faisons là au retour en passant par Marouche d'Odane.
un pays totalement vierge, totalement nu, pas de grain de monde qui a voué un coup de pas de grain de tracteur. C'est chaque presse inédite de mouvement nous caille, oui. Totalement vide. Mais il vient à l'hôtel Columbus, c'est pas faire publicité. Je vois des images, par exemple, je vois petit mal à l'étranger. Je vois des images, et pas me voyager mal en vacances, je ne pas avertir ou ça. Faut dire, je me demande qui bon ça, je me demande. Je vois des images là, je vois des images là, Sébastien Petit, mais au Canada, je ne vais pas voyager, et de quel pays tu es là? Oui. Je suis en Haïti, je suis au Mall Saint-Nicolas. Nous avons 4 personnes qui étaient dans la délégation qui étaient dans l'hôtel là. Pas un rien qui fait pour encourager l'investissement ça. Et quand je suis rentré à Port-au-Prince, malchance, je me suis dans le bonheur visuel ça. Malchance, je me suis tombé et puis mal passé dans la zone de la saline pour montrer la circulation. Je me suis senti blessé à l'intérieur. Je me suis senti tout le bagaille dans moi sale. Et je me sens que je me rapetisse comme un petit boule, un petit pelote de tissu qui était tombé parmi Fatra Sato. Nous pas de temps pour nous garder les choses. Les gens qui ont dirigé nous, pas de temps pour nous rebouter ça. Et ceci, c'est quel que soit côté de notre pays à où aller. Maintenant, tout le monde qui peut développer ça, c'est d'abord les idées. Nous avons dit, ok, président Jovenel Moïse, c'est pour aller. La volonté politique. La politique publique, la vision. Mais faut créer. C'est ça que fait depuis un an, ma travail non tant qu'il est raciné Haïti. Parce que le pays n'a pas dans l'état, schéma à vivre au quotidien, fait nous quoi il y a. Bon éveil qui pour faire, et monsieur travail est d'abord intellectuel. Nous ne pouvons pas modifier quelque chose que nous ne connaissons pas. Moi, je crois 3-4 personnes qui viennent en position de direction dans le pays. Pas marcher dans le pays, il n'y a pas qu'on est, il n'y a pas qu'on est. Parce qu'il y a trop de richesses abandonnées. Ouais. C'est la journée de la non, mais il n'y a pas de vision. C'est ça. Mal, pas mon problème. Non, la famille était au mall. Ah, ok. Après, il a quitté au mall, il y a le tour du nord. Ah, ok. Mais Bambaou, faut nous vivre. Par exemple, depuis un an, nous travaillons sur la structure. Jean-Jean connaît. Ça veut dire que nous voulons, que nous ne voulons pas. Le président Jovenel Moïse est inscrit dans le temporel humain. Il est inscrit dans le temporel. Libre à aller quand même sous forme ou sous l'autre. Nous souhaitons plus tôt que plus tard. Parce que nous, on est dès la semaine dernière à faire gouvernement, plus ou moins. Apparemment, mesdames, pas que ça. Bah, il va le gâter. Et c'est là qu'on a demandé aux parlementaires pour lever pied. Parce que je ne sais pas tout le monde qui débute aujourd'hui, qui t'a aimé débuter encore, pour aller quitter ces bateaux qui finissent à virer ça, qui pourra le noyer dans l'océan. Beaucoup de gens. Je ne sais pas. Parce que les gens qui ont participé par leur silence, par leur petit trafic par en bas, à qui ont fait ça, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas dans la vie encore. Le pape qui permet de parler dans la commune côté au Sotia pour dire qu'il est député. Après avoir devant peuple. Après avoir confiance. Après avoir participé par leur silence à cette catastrophe qui est là. Au niveau du Sénat, il y a où il faut qu'il fait. Où il faut qu'il fait. Pas besoin de plus sur lui. Nous dit bien. Faut qu'on bagage qui vous fait. Non mais ou tributaire de ça qu'a fait en bas. Ah ben bien sûr. Parce que automatiquement tu me fait ça me fait. Donc dédié attention, on va dire on va pas révéler. C'est un super pays n'a vivre tout ça n'a bien parce que nous avons affaibli les institutions. Non, tout OK, d'accord. Nous avons affaibli et cassé les institutions. Aujourd'hui, le Sénat haïtien est au banc des accusés et des accusés. Parce que ce n'est pas dit, ce n'est pas parole qu'a dit encore. C'est des éléments probants qui montrent qu'il y a des sénateurs de la République qui ont une association criminelle avec des gens qui ont tout le monde dans la population. Une des obligations pour nous retirer taxes à sous nous immédiatement. Sinon, c'est une petite tache de café à son bon bagaille. Mais l'aile tombe sous un blanc.
grand souci. Et moi, je ne suis pas pour la disparition. Je ne suis pas pour la disparition du Parlement haïtien. Nous sommes en deux hésitations. Et colonel, colonel, monsieur le sénateur Guilla, Taléa, dans le commencement émission, où est comment on a tracé procédure, comment on a indiqué comment on va y passer, mais c'est pas juste parler pour parler. Le chronomètre, c'est ton, bah, vous voulez qu'on là ou pique, pas possible. Parce que c'est nous qui fait l'histoire là. C'est nous qui acteurs là. Nous doumons comment pour le tracer pour aller plus vite. Nous doumons procédure. Le cap fait l'histoire n'est pas déjà. Est-ce qu'on comprend? Mais en même temps, tout nous disons, quand pile bagaille cap fait. Quand pile bagaille cap fait. Parce que bagaille yo pas arrivé, rapport yo pas arrivé comme ça. Rapport yo pas arrivé comme ça. Premier rapport sénatus là pas arrivé comme ça. Premier rapport yo a surtout pas arrivé comme ça. Premier rapport bon plan pas arrivé comme ça. Qu'on y a pour nous arriver à rapport ça jusqu'à ce que pendant deux fois nous relé et directeur DGPN, ça va pas arriver comme ça. C'est des sénateurs qui fait yo. Donc on va veler leur marteler. Non mais pour tout là yo mais à part ça même colonel a dit c'est peut-être le dernier point à faire, c'est que projet 2010 là mettre en direct font allusion à l'Isamé le projet 2010. Monsieur le Matéli, le propulsé Matéli dans le deuxième tour, le d'abord Mulet menacé Préval, le ensuite Madame Clinton débarqué dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance pour l'imposer Matéli dans le deuxième tour, c'est pas un hasard parce que le t'a imposé. Nous connaissons le imposé, puis ce même directeur et conseil électoral là, te dit que c'est par rapport, c'est pas résultat ça a été voué. En plus, nous gagnons l'autre donnée qui pouvait nous ça. Donc, là, on bagaille qu'on s'en fait, il faut que nous-mêmes, acteurs politiques, faut nous non seulement parler de ça, c'est-à-dire, c'est pas seulement mais international là, non, et ou même, et colonel Rebut, tu parlais des groupes financiers et commerciaux qui sont très impliqués dans ça. Donc, c'est pas le tout. Que vous avez fait là, non. Mais maintenant, qui est tapé IAE. Mais avec... attention, docteur. Attention, docteur. Oui, j'ai fait attention, mais pas le continuer. Répétons première fois avec Brantelli que c'est son déploré là. Il vient répéter encore avec Jovenel. Le rapport de force à Non, ça me l'a dit à qui te me dit. Oui. Les maintenant, les 8 candidats Chita, pour y'a colmaté, ça qui passe à première fois à Matéli pour ne pas arriver encore. Donc, en bout de ligne, dans l'élection, séparé, malgré le groupe des 8. Et Jovenel gagne l'élection. Ça, pour moi, c'est... Non. Tu as souhaité que nous ne fassions pas une troisième erreur encore. Oui, c'est tout. Parce qu'en même temps, Babien, Babieté. Nous t'as souhaité nous parler de quoi c'est ça, mais oui, ça encore. Et puis, ça vous fait un encore là. Mais d'après, que c'est vrai, que c'est vrai, que c'est pas vrai, d'après où, donc, résultat qui sorti dans, comment est-ce que ça, bye, en gars, dans bon aéroport, résultat, bye. Tabulation. Centre de fabulation. Donc, tout résultat est réel. Non, mais soit, mais ce n'est pas un hasard. Parce que les faits sont là. Mais pour qui ça me plaît tout ça? Vous voulez que l'opposition, elle n'a pas discuté comme ça pour chercher une solution. Ça m'a voulu d'accord. Ça m'a voulu d'accord avec quoi? C'est que, une possibilité d'autoflagellation qui vient empêcher comme ça analyse. Mais elle fait une première fois, elle fait une deuxième fois. 50 000 candidats. Et c'est là, blanc, joint moyen, il rentre parce que divisez-nous. 50 000 candidats, c'est lui qui t'a fait que tu as 42 députés, rapport et siège là. Tu as clairement dit que 42 députés passé mal, bon député qui m'a avoué, il dit comme ça que c'est l'IPE madame. Non. Comment elle est madame non, quoi? Madame Ingual. C'est l'IPE madame Ingual. Fon Gembe Michon là. Ouais. Donc par conséquent, vous voulez que monsieur le ministre n'a plus empêché ça. Eh bien, on demande auditeur là que la seconde. Non, mais faut nous dire ça. Faut nous montrer que. Non, Okay.
Nous tenons sujet et m'a fini là. Allez, la zone faut ça. Oui. Son faux salaire.